Pom pom. Bonjour les amigos, on se retrouve pour la suite de The Last of Us dans les conditions, j'allais dire dans les conditions du direct, mais non, en fait c'est enregistré en direct. Le stream est sur Twitch et YouTube. Alors je voulais vous dire juste un petit truc avant de commencer, c'est que j'attends un coup de fil. Vous le savez ou pas, je collectionne pas mal de consoles de rétro gaming. Et il y a près de chez moi quelqu'un qui vend une Master System avec 32 jeux pour une petite cinquantaine d'euros. Je lui ai sauté dessus. Il ne me répond pas, évidemment, puisque je ne sais pas pourquoi. Et évidemment, ce genre d'offre ne va pas traîner. Donc, dès qu'il me rappelle, je vais le prendre forcément. Donc, je risque de couper un peu violemment. Si c'est pendant le stream, cette vidéo, si vous la voyez plus tard et que vous vous étonnez pourquoi ça coupe. Donc pour plus tard, je vais essayer, vu que j'enregistre pas en même temps là, je fais juste le stream qui va être enregistré ensuite sur YouTube directement. Donc j'essaierai quand même, si ça arrive, d'éditer un tout petit peu la fin pour pas que ça parte en cacahuète. Mais si d'un seul coup, vous voyez que ça ne bouge plus, qu'il ne se passe plus rien, j'essaierai, je vous le signalerai vocalement avant, vous inquiétez pas, c'est normal. Sur ces bonnes paroles, c'est parti, on y va. Juste un dernier petit truc à faire. Et c'est parti. Donc, je vous rappelle, on arrive hier, donc on s'est bien entendu quitté ici. Et nous arrivions donc à l'University of Eastern Colorado. Ok ? Vous avez vu un peu mon accent quand même ? Ça pique. Reste ici, Durillon. Quel drôle de nom. C'est pas un nom, quoi, non. Durillon. On peut monter ? C'est toi qui as oublié de demander son nom à Tommy. C'est curieux, parce que tout laisse penser Durillon. Qu'on pourrait. On va voir d'autre côté, peut-être. Non. Bon. C'est juste un piège. Ah, toi, tu descends pas, toi, mes mères. Ellie, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi, Ellie. On va se rebalader à cheval. Ça va nous permettre, s'il y a des... Vilaine bébête, vous voyez ce que je veux dire. De part. Ok, ces bâtiments ressemblent pas à un miroir. Bon, on va sur la place centrale. On devrait avoir un bon aperçu du campus. Je ne sais pas ce qu'ils appellent exactement la place centrale. On peut aller par là, on peut aller par là, on peut aller partout. Oh, mini monde ouvert! Je vais essayer ici, ça n'a pas marché là-bas, mais peut-être que je ça fonctionnera. Ok. Je déteste ce nom. Non, c'est curieux ça quand même, non? Bon, soit. Moi je continue à pied. Pas l'air d'avoir grand-chose à récupérer par ici. Y'a rien, ma cocotte. Je vais quand même voir par là, parce que sinon je m'en voudrais tout le restant de mes jours. Tiens. Un joli bouquet de fleurs. C'est curieux que ce ne soit pas infesté de sales bestioles. Allez, viens, on va par là. Donc la place centrale, ça doit être ce qu'il y a derrière, là. Ce qu'ils appellent la place centrale, en tout cas. T'éloigne pas, hein, que je puisse remonter à dada. Donc quand je parlais de monde ouvert, bien entendu, c'est monde ouvert. Monde ouvert façon The Last of Us. Donc c'est juste un couloir un petit peu plus large. Ils avaient mis le bus pour fermer, a priori, mais il n'est plus là. Doucement, Durillon, doucement. Ok.
Quel est ce bruit étrange? Vous entendez? Est-ce que là, par... Si j'ai bien compris, les gens habitaient ici et étudiaient, alors que c'était des adultes? Ouais, étudier, faire la fête, découvrir qui ils étaient, trouver ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Je vais voir là-dedans, reste là. Je reviens tout de suite. Voilà. Je reste là. Voilà. Eh, pas mieux. Il y a un établi là-bas, on va pouvoir bricoler, mais je me souviens pas. On peut monter aussi. Qui c'est que ça? Ouh là là, ça, ça a l'air d'être une arme top délire. My Giver est passé par là. Un lance-flamme, rien que ça. C'est cool. Par contre, j'aimerais bien avoir un emplacement de plus là. On va garder ça, par contre je vais plutôt prendre ça en main. Au cas où. Très bien. Ça dit, je ferais mieux d'aller looter là-haut, je pense. Étui à armes, on peut donc pas améliorer notre étui d'armes. Combien j'en ai? 109. Qu'est-ce qu'on peut lui faire, lui? La portée, mince, faut être niveau 4. Je vais d'abord aller voir là-haut, parce que on doit certainement pouvoir récupérer des choses. Tiens, là, j'en vois déjà. Et plus on aura de bricoles, et bien entendu, plus on pourra faire évoluer notre artillerie. Là aussi, on devrait pouvoir augmenter nos capacités. On fera tout ça en même temps. On va commencer par en haut. J'espère qu'on va pas trop se paumer là, ça doit redonner dehors, non? Ouais. Il y a des chips. Des chips. Attendez, je baisse un tout petit peu le son de mon côté. C'était un poste de surveillance. C'est bon signe. Le journal du sniper, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Le 29-8, rien à signaler. Des gens ne sont pas censés arriver. À quoi ça sert d'être là si rien ne se passe? Ben, je crois que tu vas bientôt te dire finalement c'était mieux quand rien ne se passait. Le 1er septembre, toujours rien. Marc, arrête tes conneries, on a plein de temps pour lire ici. Être le garde au labo, quelle merde. Le 14 septembre, entrée de 5 nouvelles recrues de la zone de quarantaine de Chicago. Ah, enfin, il y en a un qui m'a filé un paquet de clopes pour montre, bref. Le 5-10, entrée de 6 gars du QG. 6 mecs pour livrer un camion? Ça doit être encore pire que ce que je croyais là-bas. Entrée d'une livraison QG. En fait, j'ai piqué 2 pommes, d'accord. Le 31-10, entrée de 10 millions de loups-garous. C'est cadeau, rien que pour toi, Andrea. Joyeux Halloween. Le 5-11, sortie de l'équipe de reconnaissance pour récupérer des provisions en ville. Entrée de l'équipe de reconnaissance. Roger a gueulé parce que je pionçais, pauvre con. 20 décembre, entrée de une biologiste de San Francisco. Ce type de... Un biologiste, pardon. Ce type est un connard, attention. Entrée de 3 nouvelles recrues en escorte. Au moins, ils m'ont souhaité un joyeux Noël. J'ai pas osé leur dire que j'étais juif. Le 22 février, entrée de 10 caisses de l'hôpital UT Matos Scientifique. C'est tout ça pour ça. Ça, c'est plein. Ok. On doit retrouver où on était, je pense. Voilà, la porte qu'on vient de passer, c'est ici. Là, il n'y a rien. Ça, ça se défonce pas. Donc on redescend, il n'y a rien sur les panneaux qui pourrait être intéressant. Et non. Allez. On va aller voir l'étage du dessous. Et il y a un autre endroit qu'on pouvait rentrer tout à l'heure. Donc il y a Ellie sur le dada. Ouais, c'était ici. Donc ça revient au même. Je vais aller voir là tant que je suis là. Rien.
Diane. Bon bah écoutez, on va continuer notre chemin. Allez, file. Fais-moi de la place. Est-ce que tu sautes par-dessus ça, toi, Dada? Allez. Bien. Là, on peut pas rentrer. Là-bas, ça dit quoi, là-bas? Ouh, il fait un peu froid. Question de saison. Voyons. Allez, je descends. Allons voir par ici. J'ai oublié de retourner bricoler. On va attendre un peu. De toute façon, tu crois qu'ils sont très nombreux? Je parle des lucioles. J'imagine qu'il faut du monde pour une telle opération. Tu crois qu'il y aura des gens de mon âge? J'en suis pas sûr. Tu vas te faire des copains, t'inquiète pas. On peut rentrer là-dedans. Bon, on y va, on va bien. Oh, c'est pas bon. Reste avec le cheval. Non. T'es sûr? Oui, je veux pas qu'il s'échappe. Je reviens tout de suite. Où sont les coureurs? Là-haut. Donc ça, ça devait donner sur la place où on aurait dû aller là-bas. Oh la vache! Faut vraiment qu'on y aille là-haut, peut-être pas tout de suite, hein. Cela dit, si je vis super bien... Je vais passer là en dessous pour voir exactement où ils sont. S'ils sont juste là, j'enverrai bien une bombe. Ouais, pas tout à fait quand même. Hein. On va y aller tranquille. Alors attention, hein, parce que là, s'il y en a un qui me voit, c'est fini. Qu'on soit bien d'accord. Donc ils sont dans cette pièce, évidemment. Derrière là, on peut peut-être monter. Est-ce qu'il y en a au-dessus? A priori, non. C'est curieux ce fil jaune, non? Ça vous intrigue pas, vous? C'est l'ascenseur, ça, non? On va faire ça? Non, on va pas faire ça. Je crois que je les ai un peu énervés, là. Fatale erreur. Non, c'est bon. Par contre, là, y a rien. Alors, je sais pas si ça vaut le coup de les buter. Hein. Enfin, il doit y avoir des trucs à looter, mais... J'aimerais bien savoir si c'est notre... notre destin. D'aller par là. Le coup de la bombe, ça me paraît pas complètement stupide. J'en ai plus beaucoup, par contre. On va essayer. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Ah, si j'arrive à avoir un paquet, mais en fait, c'est pas très efficace, je crois. On me suit ou pas? Oui, on me suit, merde. J'en ai plus. Il y en a un qui arrive là-bas, l'arc. Trop tard. Pour avoir le faire à la main. Ah,
Allez. Non mais alors, on peut quand même se laisser en... Ça, c'est fait. Embêter par ces sales bestioles. Sérieusement. Ouais. Enfin, honnêtement, je pense pas que ce soit une bonne idée, tu vois, parce qu'astronaute tout seul là-haut, alors que tout le monde sur Terre est mort. Ça, non. Mais en fait, la bombe pour le coup a été hyper efficace. Hein. D'habitude, ça merdouille toujours, mais là, on dirait que ça a bien fonctionné. C'est cool. Ouais, ça fait du dégât. Et génial. Qu'est-ce qu'il y a à voir par là? J'ai eu peur, c'est une statue. Bon, on va déjà aller looter ce qu'il y a dans la salle. Et après, on va aller voir... Oh, je t'ai arraché une jambe et un bras. Je suis vraiment désolé. Attendez, attendez, je ne peux pas croire. Ah bah voilà à quoi il sert le fil, vous voyez? C'est un fil électrique qui va nous permettre certainement d'ouvrir quelque chose de l'autre côté. Donc je vais passer sur le balcon qu'on a vu derrière. Il n'y a rien d'autre à looter. Pour aller voir ce qu'il y a, après on allume le bitonio. Il ressort par où le fil? On va essayer de voir si on... Ouais, ça doit nous permettre d'ouvrir cette grille, ok. J'avais pas vu. On n'a même pas eu besoin de les cramer. Oui, j'ai même pas pensé à essayer de les cramer. Donc j'allais voir sur le balcon d'abord. On va bien trouver un petit truc quand même, non? Kachi, kachi, kachi. Kachi, kachi. Bon, qu'est-ce qu'il y a par là? Autant le regarder tout de suite, ça nous évitera des surprises. Puisqu'on va passer par là, en fait, rien. Allez, je vais allumer le générateur. Allez, go! Top, 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 top. Un coup de chance, il y avait encore de l'essence. J'arrive, Ellie. Mais du coup, on pouvait pas aller là-bas? C'est curieux, je vais aller voir quand même. Si on n'était pas rentré là. Sur la gauche là. On était bloqué aussi? On pouvait passer par là, là, non? Ah non, c'est fermé. Ok. Ok, j'ai rien dit. Donc. Ça aurait pu marcher. Et toi ? Tu voulais faire quoi? Quand j'étais gosse, je rêvais de devenir... De chanteur. Devenir chanteur. Tu déconnes. Non. Je suis sérieux. Chante un truc. Ah non. Allez, je rirai pas. Même pas en rêve. Joël, s'il te plaît. Bah je vais te chanter des chansons. C'est quoi? C'est pas un truc? Non. Je vais lire la note. Non, j'ai pas fait gaffe parce qu'on a ramassé et je pense que c'est pas dans l'ordre. LMN, non. Bon, ben, on le saura jamais. Ça, c'est dommage, ils auraient dû soit le mettre dans l'ordre de la découverte, soit indiquer celles qui sont pas lues. Et là, on a ni l'un ni l'autre.
Melissa Smith. Librairie. Alors, l'entrée handicapée qui est ici. Vous remarquerez que c'est pas très cohérent, hein, puisque... D'une, je vois pas par où ils peuvent rentrer. Oui, c'est vraiment n'importe quoi. Calme-toi, Pépito. Oui, je sais que c'est pas Pépito qui s'appelle. Mais j'ai envie de l'appeler Pépito, alors ce sera Pépito. Y'a rien par là non plus. Par là, on est coincé. La suite des événements, c'est par là. Très bien. Attends-moi là. Pourquoi je monte pour redescendre? Bonne question. Je ne sais pas. J'avais envie de sentir un peu la chaleur animale entre mes cuisses. N'y voyez rien de déplacé, hein, bien entendu. C'est pas mon genre. Un petit sous-sol, on peut y aller? Il doit bien y avoir une pièce encore remplie de bébêtes. Non, tout ça, on peut pas rentrer, c'est que de la déco. Bon bah viens, on s'en va. Bouge pas, t'es où? Alors, tu sautes par-dessus un mur, mais par-dessus ça, tu peux pas. Ok. Je pense qu'on court plus vite que le plus vite des coureurs. À cheval, je pense. Donc, on va pas prendre de risque. Y'a rien. Hein. Là, on peut pas monter, là? Si, peut-être. Attends-moi, là. C'est vraiment bien désert, hein. Ça ne sent rien de très très bon. Je vais regarder... Ah, très bien. Je vais regarder si on peut s'améliorer quelque chose. Non, mais c'est pas ça ce que je veux voir. C'est ça. On en a 50. Temps de confection, vitesse de soin... Allez, on va se faire la vitesse de soin, même si... Ouais, allez. Allez, on va sauter par-dessus les barbelés. Va-t'en, Tito. Allez. Oh, c'est des singes. Où? Ouais, et il y en a un paquet. J'en vois pas un seul. Où est-ce que vous voyez des singes, les copains? Ah oui, là! Rigolo, rigolo. Tiens. Ce bâtiment est dédié à Nathan. Ok, allez! On va faire le tour par là, je suppose qu'on sort derrière là. Je sais pas si vous avez vu. Alors, on va essayer de regarder s'il y a des choses que l'on peut looter. Des endroits où l'on peut rentrer. Peut-être là, regardez. Peut-être ici. En montant là-dessus. Ouais. Inspection, il y a du monde? Non, ok, on y va là. Enfin, on essaye d'y aller parce que... Bah... Et... Tu plaisantes ou quoi, l'ami, là? Tu peux pas passer là-dessus, toi. Alors, t'es obligé de passer là où c'est le plus élevé. Soit. Et petite capsule. Alors, ces capsules, c'est ce qu'on a utilisé juste avant. Hein. Ça nous permet d'augmenter nos capacités. Très bien, ce flingue là, El Diablo, il est très cool. C'est l'équivalent d'un magnum à peu près, ça défonce quoi en fait. Ah. Ça pique.
Kit médical amélioré, chouette. Enfin, je dis chouette. Il n'y a pas de mystère, hein. Si on nous améliore les kits, c'est qu'on va morfler plus. Donc, toujours la même histoire. Hein. C'est bizarre tous ces petits nœuds là. Ah, c'est tous ceux qui sont décédés, d'accord. C'est l'endroit de recueillement. Je le connais, lui. Petit chien chien sa mère. Oh bah elle aimait bien son chien. Allez, fuyons. On va continuer un petit peu à pied hein. Je vais aller voir ce qu'il y a dans le conteneur là, dans le camion. Les singes ça m'intrigue parce que ils sont pas là pour rien a priori hein. Pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'ils sont infectés? Est-ce qu'ils peuvent... Non, puisqu'ils ont l'air de se comporter à peu près normalement, donc ça ne doit pas être ça. Je ne sais pas. Ok, il y avait... Bon, on va faire le tour et on ira s'occuper du centre après. On va aller voir là aussi. Par en bas. La personne a priori. Vous m'avez fait monter pour rien, bande de vilains. Pas grave, chien dur. Y'a rien. J'aimerais trouver un bâton par contre parce que j'ai plus d'armes. Ah, ce serait bien par là après. J'ai plus d'armes style baramine et tout ça, qui est bien pratique. Pour en finir rapidement. Pouvoir monter, il y a un truc ouvert là? Non. Ouais, la suite est par là. Ok. Ouais, première fois que tu vois un singe. Super cool. Par contre, j'aimerais bien que tu te pointes, Ellie, avec le cheval. Le stadium de Nathan. On se demande à quel Nathan il pensait. Peut-être le fameux Nathan, chercheur de trésors. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va voir le milieu. Au milieu, s'il y a quelque chose. Et si non, eh bien, on va... C'est Nathan? Non. C'est Alessandro Rodriguez. C'est le colonel Rodriguez. Donc Ellie m'attend là-bas. Tu peux pas monter. Tu peux pas monter sur un bas. Allez, oust. Regarde, les lucioles. Oui, mais des vraies lucioles. Donc il y avait un amas de saleté. Ah oui, le sigle là-bas. De saleté dans une seule pièce. Et ensuite, dans tous ces bâtiments, il y avait rien. Regarde. Quoi? Oui, le sigle. Oui, d'accord. Ouais, j'ai vu. Bah oui.
Allez-y. Cool, enfin une trace des lucioles. Je sais pas s'il faut vraiment s'en réjouir, mais... Ah, je pense qu'ils essaient un tout petit peu de nous endormir. Je peux pas rester sur le mur. Je voulais monter au-dessus, mais... Tu viens pas, chiotte ? Ça veut dire qu'on continue pas par là ? Si, c'est par là, à droite, sûrement. Amène-toi. C'est un ordre. Je dirais qu'il court plus vite à l'envers qu'en avant. Oui. Toi aussi. Donc j'ai augmenté ma faculté d'entendre de loin, donc j'entends de très loin, théoriquement, mais bien entendu, j'entends à condition qu'il y ait mouvement. Si y a des ennemis en particulier donc qui ne bougent pas, quels qu'ils soient, bon en général les sales bestioles elles bougent toujours, mais s'il y a en particulier des chasseurs, enfin des humains qui sont dans les parages et qui ne bougent pas, je ne les vois pas. Carte du campus. Mais les cartes jusqu'alors n'ont jamais servi à rien. C'est pas ça ce que je voulais faire. Sniper à droite, vous voyez en bas à droite, c'est là où on était. Là on doit être en C2, donc je dirais au nord-ouest, là dans le coin nord-ouest, je sais pas si vous voyez. Je pense qu'on est là. Ouais, je vois. Et on va trouver certainement un truc pour ouvrir la grille. Pour pouvoir continuer. Adada. Adada. Je vous rappelle que le prochain let's play, parce que là on arrive sur la fin malgré tout, il reste environ 3-4 heures de jeu je pense, sera, alors je sais pas s'il sera live, mais ce sera Mass Effect le premier. On va se préparer à l'arrivée de Mass Effect Andromeda, je sais plus quand est-ce qu'il sort, c'est début mars je crois. On peut y aller, a priori il y a personne. Désolé. Ah, c'est pas fini. Cette fois, c'est fini. Voyons les photos. Ah, encore l'autre avec sa bière, là. Et la dame avec son chien. Alors, c'est bien foutu parce qu'on retrouve les mêmes photos, mais... Ah si, celle-là, on l'a déjà vue il y a longtemps. J'allais dire, mais pas nécessairement dans les mêmes zones. Pourquoi est-ce que le papier toilette est noir ? Oh, vous croyez qu'on peut y aller là ? Ça bouge mais on peut pas. Alors que personne s'en est servi. Encore un mystère. Salut T-Web, merci. Ouais, je disais au début comme... je sais pas si t'étais là. Que j'attends un coup de fil important. Très important puisque c'est... pour une Master System avec un bon paquet de jeux pour un prix très intéressant. Donc si d'un seul coup je disparais, ne vous étonnez pas. Alors, 9 mois d'attente et toujours rien, aucune nouvelle de qui que ce soit. J'ai trouvé quelques boîtes de conserve au réfectoire, on n'ira pas loin avec ça. Il y a eu un incident à la barricade Est, mais tout est sous contrôle. 31 janvier. J'ai aperçu un groupe de ces trucs qui passaient par là. L'un d'eux ressemblait à Eva. C'était peut-être elle. Les piles commencent à faiblir, ils n'écoutent plus la radio qu'une fois par nuit. Moi, j'ai laissé tomber après la dernière transmission. Ça fait 3 mois. Bordel ! À quoi ils s'attendent ? Cheryl a fumé un joint hier, soi-disant qu'elle en avait besoin. Elle s'est énervée quand j'ai balancé sa cam. Elle ne comprend pas. Faut qu'on garde les idées claires.
Quelqu'un va devoir aller en ville chercher des provisions et ce sera sûrement moi. Et on ne te reverra plus, mon ami. Je me demande combien de temps ils ont tenu. Bah, pas trop longtemps. Est-ce qu'on la voit, ma mère ? Ouais, elle est toujours là. La guitare. Ultra Bright, Colgate, je ne sais pas ce qu'ils utilisent. Donc, on commence par aller par en haut. Bah non, on va commencer par en bas, par exemple. En parlant de Master System, on m'a offert The Sega Control Stick, la chose que j'avais pas vue depuis X temps. C'est quoi ça? C'est de... ça me dit rien. C'est quoi? Un émulateur? Enfin, un stick émulateur ou c'est le stick arcade de la... Attendez, là je zappe, je comprends pas. Attendez, j'ai fait demi-tour à l'insu de mon plein gré? Oh la vache, faut vraiment que je me fasse greffer. Bah non, on est à l'autre bout là. Ouais, c'est ça. Pourquoi je l'ai pas vu ça tout à l'heure? Déconne, John. Ouais. Non, j'ai fait demi-tour à l'insu de mon plan. Ouais. Voilà, j'ai vu une annonce. Bah d'ailleurs, si vous allez sur le bon coin, me la piquez pas, mais alliez si vous cherchez dans la région Albi, Midi-Pyrénées. Une Master System, 32 jeux, 50 euros. Ça me paraît un peu trop beau. Pour être vrai. Il y a des arnaques sur Albi, je sais pas. Enfin, sur Albi, des gens qui servent d'adresse sur Albi. Et je me souviens, il y a un an à peu près, je sais plus ce que c'était, un truc complètement barjo. Ah, on est déjà passé là. Ah, je comprends plus rien. Mais oui, on est rentré par là. Ah oui, et là, on a tourné à droite, c'est pour ça qu'on s'est planté tout à l'heure. Je sais plus, mais c'était genre une NES en boîte avec 50 000 jeux à 50 euros. Et en fait, c'est une arnaque bien connue. Les mecs étaient en Angleterre. En fait, j'ai retrouvé les photos. Si vous voyez un jour, tiens, allez, tant qu'on est à parler autre chose que jeu, un truc qui vous intéresse et qui vous paraît un peu acadabrantesque, ce que vous faites, vous prenez la photo de l'annonce et vous la mettez dans Google Photos. Merde, des sports. Pour voir. C'est comme ça que là, j'ai retrouvé la même photo sur un autre site en anglais. Pas en Angleterre, plutôt. Bref, revenons au jeu. Ouais, c'est le stick carré en haut, un peu rectangle, non? Ça, ouais. Si c'est ça, je comprends. Bah, chez Sega, enfin, c'est les Sega les plus connus. Parce qu'avant, il y avait, comment elle s'appelait avant la Master System, la J1000 ou un truc comme ça, je sais plus quoi. Et c'est la Master System, c'est la seule qui me manque. Donc j'en cherche une depuis un moment et je trouve jamais de trucs valables quoi. Il y a des gens qui abusent, enfin comme partout en rétro gaming. Ça devient un peu de... Oh là là. Mon ami le Clacos, comment ça va? Ça biche mec? Combien ils sont? Oh mon dieu. Ah puis j'ai pas d'armes contendantes. Ça va être chaud. Ouais ok, je vois ce que c'est. J'ai 3 sur 1, qu'est-ce que je peux fabriquer? Améliore votre arme, mais j'ai pas d'arme de mêlée moi. Je peux même pas faire 1 sur 1. Et oui, dans les consoles de légende, il me manque bien entendu une Atari 2600. Et c'est pareil, j'ai failli il y a un mois à peu près, j'en avais trouvé une intéressante et j'étais trop gourmand. J'ai négocié, c'était en plus les bois là, donc celles qui sont les plus recherchées. J'ai négocié, le mec m'a pas répondu et j'ai vu que 2 jours après l'annonce était désactivée. J'aurais pas dû négocier en fait, j'étais couillé. Parce qu'elle valait le coup là. Elle valait le coup, je sais plus comment elle l'a fait. Bon. Faudrait que t'ailles avec ton pote là-bas, ce serait cool, voilà. Par là. Ah
Oh, il m'a fait trop peur celui-là. Ah oui, c'est sûr que... Bah déjà, rien que le fait. Le gros problème des autres consoles, quand on est passé au CD, DVD, etc., c'était le lecteur. Hein. Ça, c'est vraiment le gros, gros problème. Bon, comment je vais les avoir? Parce qu'ils sont nombreux et j'ai... Bon, allez, on va se les faire. On va essayer d'y aller discret, de s'en faire un par un. Mais non, j'ai que 3 sur 1. On va essayer quand même, on va voir. S'il y a que des claqueurs. Allez, on va attendre qu'il se pointe par là. Il va me voir avant que je le vois par contre. Non, je bouge pas. Je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Hey, mais n'importe quoi là-haut. Pourquoi j'ai pas pu l'attraper? Enfin, je l'ai attrapé, au moment où j'ai fait l'action de l'attraper, c'est là où il m'a chopé, je pige pas là. J'étais pas exactement de dos peut-être. Donc lui va passer par là, je pense que c'est scripté, ils font toujours le même parcours. Donc dès qu'il tourne, on le chope. En voilà. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Très bien, on va peut-être pouvoir se refaire un sur un. Vous le voyez? Il est tout seul? Ouais, il est tout seul. Non, il y en a un autre qui arrive là-bas. Par là, c'est clair, ok. Donc faudrait que lui, il se casse là. Voilà. Si on le prend pas de face, on est foutu. De dos, on est foutu. On est bien d'accord. J'ai pas envie de tester, mais en même temps, est-ce que j'ai le choix? On respire, on respire. Salut Ulki, je t'avais pas vu arriver, désolé. Combien nous en reste? Plus que 3, mais c'est la fête! Ils ont l'air assez proches les uns des autres, non? Ce serait peut-être tentant, là, le cocktail. Et pour ça, il faudrait qu'on le lance de loin. Donc on garde le truc en écoute actionné, en fait. C'est une bonne façon d'avancer doucement. Enfin, encore plus doucement que doucement. Non, on n'aura pas les deux. Hein. Non, ils sont trop éloignés. Bon. Eh bien, on va repasser par là, alors. Il y en a un qui bouge et deux qui bougent pas. Donc, faudrait qu'on se fasse celui qui bouge. Chier, lui, il est collé au mur. On va essayer l'autre là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait là, l'autre? Oh, le lance-flamme! Ça doit marcher, le lance-flamme, sur ces saloperies. Pourquoi je peux pas aller... Ouais, je l'avais oublié, lui, le lance-flamme. Je suis en normal pour le niveau. Ok, nouvelle catégorie, tu dis par là? Il arrive. Il arrive. C'est pas le moment de se faire choper. Je trouve qu'il me file beaucoup d'armes, beaucoup de recharge pour le truc qui crame.
Je serais bien tenté d'essayer, hein. Mais j'aimerais bien être sûr que ça fonctionne, quoi, c'est tout. Ça me ferait chier de recommencer tout le niveau. J'aurais dû essayer au début, en fait. Me dis pas ce que c'était comme bestiole que j'ai la surprise, donc ça doit être des pires. Pire que ça. Oh bah le pire, c'était l'espèce de bidule dans le gymnase, là, pour l'instant. Qu'il fallait buter... Le dernier, on essaye de le cramer? Non, parce que si on le rate, il faudra tout recommencer. Enfin, je veux dire, si ça marche pas, le feu contre eux. Oh, bah c'est peut-être ça que tu parlais. Oh my god. Donc finalement, on va peut-être s'occuper de l'autre avant. Oh, ouais, faut qu'on s'occupe de l'autre. Et lui, on essaye de le cramer. On va le bomber et le cramer, les deux. Donc lui, faut qu'on s'occupe de celui-là. Bah ça, c'était le même que dans le gymnase, je crois. Mais lui, il va pas être évident vu qu'il a le dos au mur. Ouais, sois discret. Si j'arrive à faire celui-là, mon plan est ensuite de balancer. Oh, pourvu que je me fasse pas de choper. De balancer une bombe. Bombe ou. Au cocktail Molotov. Bombe. Ça lui en a touché une sans faire bouger l'autre. Ah, tu te demandes bien où je suis, hein. Oui, je sais, il va pas se demander longtemps. Donc on va essayer de lui mettre le feu. Où il est? Où il est? Où il est? Où il est? Ok, il va retourner à sa place peut-être. Hey, copain. Ça lui fait rien du tout. Je rêve ou ça lui fait rien? Ah si, il est mort. Bah voilà. C'est pas compliqué. Quand même. Y'a plus rien. Voilà, je crois que... C'était la gestion de maître. Faut le dire, n'ayons pas peur. Absolument fabuleux, donc est-ce que j'ai oublié de looter du truc? Je crois pas. Hein. Il y avait si quelque chose dans la pièce d'à côté, j'étais plein tout à l'heure. Non, l'autre encore, ici là. Je le suis toujours. Bon, je... J'en suis au niveau de mes vies. Pff, tout ça, c'est plutôt cool. Je vais me refaire ça. Et du coup, je devrais pouvoir... Ah non, c'est... Ouais, tant pis. Allez. La sortie.
J'ai tendance à regarder, désolé. C'est fermé, non ? On arrive. Allez, pousse ! Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas. Bravo, mec. N'oublie pas que tu as laissé Ellie toute seule dehors. Oui, ça fait, on doit repartir. C'est pas bien malin de faire ça. Bon, elle est toujours là. Elle est debout, par contre. Pourquoi elle est debout? Je peux monter par-dessus ça? Non. Qu'est-ce que tu fais? Ok, là on va pouvoir voir la porte, je vais aller voir vite fait là-bas. Y'a du monde? Non. Et y'a un peu là. Pops. Une petite note, coupure de journal. L'armée américaine rappelle ses équipes de recherche par Lev Benioff, reporter. Les derniers reports de l'OMS estimant que pas moins de 60% de la population mondiale est morte ou infectée par la pandémie d'ICC. L'armée des États-Unis d'Amérique a déclaré qu'elle rappelait toutes ses équipes de recherche. Des patrouilles continueront à circuler jusqu'à 15 km au-delà des périmètres des zones de quarantaine pour détecter des citoyens qui souhaiteraient y rentrer. Mais plus rien ne sera fait pour évacuer ceux qui se trouveraient dans des régions difficiles d'accès. Le procureur général Arthur Munro l'a officiellement annoncé dans une lettre. J'ai trouvé ça en ville, c'est quoi ce délire? Personne ne va venir. Ouais, là avec les étages qui sont tous identiques, ça un peu délicat de savoir. Ouais. Ah. Oh. C'était une demoiselle qui habitait ici. Où? Quelqu'un qui aurait aimé l'être. Allez. Donc c'est une de ces grilles-là que l'on va ouvrir, je pense. Je pense que c'est ça, pour pouvoir continuer notre chemin. Rien. Encore désinfecté, je vais bien. Où t'es, même? Ah bah t'es là-bas, j'arrive. Deux fois l'astuce du générateur en... Ah bon, je préfère. À quoi ça va servir ça? Ah, faut l'amener là-bas. Ouais. Allez, je mets le jus. Raté. Bien. Essayons la porte. Oh, essayons. Pourquoi essayons? T'as réussi. Ouais. Allez, passe. Allez. Fais-moi une petite place. C'était des lucioles, tu crois? Non. Non, je crois pas. Pourquoi il y a des infectés aussi près du labo? Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Ouais, c'est possible. Quand tu me poses une question, t'évites de siffloter quand je te donne la réponse. Là, qui s'en prit des baffes pour moins que ça. On va aller voir pour le fun, mais c'est de l'autre côté. Oh, on a l'impression que ce niveau-là, ils sont pas trop fait chier pour le coup, parce qu'il y a beaucoup d'assets qui sont, voire même des zones qui sont exactement identiques.
Ça sentait la fin de budget ou quoi? Il faut finir le jeu? Autant dans les dortoirs là-haut, bon, ça peut se comprendre, puisque même dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. Mais, Pas de garde. Rien du tout. Ouais. Prends patience. On va bien finir par croiser quelqu'un. Allez, on entre. On entre où? Fais un petit tour avant, hein. Des trucs là-dedans. Rien. C'est bien la peine. Tu connais ce genre d'endroit? Quoi, à l'université? Ouais. Non, en tout cas pas pour étudier. Pourquoi? J'étais jeune quand Sarah est née. Amène-toi si tu veux que je continue l'histoire. T'as été marié? Pendant un temps. Juste un temps? Ok. Exact. On n'aura jamais la suite. On peut rentrer là, dans le conteneur? Non. On pourrait mettre un petit cadeau pour récompenser ceux qui, comme moi, font le tour, là. Mildew. Ah. Hop hop. Moi, comme des débiles, je crois qu'on a fait. On n'a pas fait toutes les tentes. Allez, on va voir les deux autres là-bas, vite fait. Sait-on jamais? Là. Là, il y a quelque chose. Un SMS, mais pas celui que j'attendais. Allez, allez. Derrière, peut-être? Non, on peut pas y aller derrière. Et là? Oui. Par contre, la prochaine fois qu'on va voir un atelier, on devrait avoir du matos. J'espère. T'as dû dire quelque chose, hein, mais t'étais un peu loin. Oh oh! Des panneaux solaires. Ça sent bon le panneau solaire. Où elle est? Elle est là, ok. Elle a bougé sans moi. La vilaine. Et moi, je peux pas passer là-dessus. Je vais m'arracher une boule. Si? Et non. Faut que tu reviennes avec le cheval, sinon je vais être embêté, Ellie. Ou pas. T'es gentil de m'avoir attendu, petite. Je m'en souviendrai. Allez, file. Allez, Joe Jumper. Il faut trouver comment on ouvre cette petite poporte. Non, on monte sur la voiture, elle va jusqu'au bout, on la pousse peut-être, je sais pas. Tu veux pas monter? Non mais sérieux, t'es sérieux le cheval? C'est pas vrai. Attraper ça? Oui, à quoi ça peut nous servir? À monter peut-être là-bas sur la barrière, par exemple. Par exemple! Voyons par là. Là, là, là. Alors voilà, on dit ouais, c'est couloir, mais voyez le problème quand c'est un peu moins couloir? C'est qu'on passe beaucoup de temps. Là-bas alors! Le L3 a oublié de fonctionner, ou alors je regardais déjà dans le bon sens. Ah non, elle voulait certainement montrer le conteneur. Voilà, je disais quand c'est un peu moins couloiresque,
Ben, ça casse vachement le rythme. Donc je pense qu'il faut descendre ça là et ensuite... Ouais, ça ressemble à une entrée. Ensuite... Ah oui, là-bas aussi. Ensuite, eh ben, on passe la barrière, donc on va devoir abandonner notre dada. Petit dada, on te dit au revoir. Bon, ben, validons l'hypothèse d'abord. Vous croyez qu'il descend si je le lâche? Normalement, ça devrait. Hein. Si la physique est correctement gérée. Ouais. Ah, oh, bah encore mieux! C'est pas ce que j'avais en tête, mais pourquoi? Ouais, pas. Moi non plus, c'est marrant. On avait la même idée tous les deux. Ah oui, mais du coup, ça nous permet de le réutiliser pour monter. Ok. Je vais avoir vite fait la porte. Non, on ne doit pas s'ouvrir celle-là. S'est-elle jamais ouverte? Allez, on va reprendre nos petits bitonios qu'on va amener là-bas. Oula, moi je comptais le mettre devant, mais on doit pouvoir s'en sortir ici, non? Elle est où, Ellie? Allez, t'as mis où le cheval? Il a disparu. Bah, j'espère qu'il a pas disparu pour rien, que tu l'as bouffé. Ça fera toujours ça. Un peu de protéines. Ces fils-là ne m'inspirent rien, ça doit être sur la droite. Non, là, ouais. Attends, bouge pas. Et ils sont vachement intelligents, les mecs, vous avez vu ça? Ils mettent des lampes pour éclairer les panneaux solaires. Ça, c'est pas con, quoi. Comme ça, même la nuit, ils font de l'électricité. Mais si, c'est possible. Ok, on y est. Allez, donne-moi ta main. Et prends la mienne. Et voilà. Merci. Jetons un coup d'œil. Ok. Tu veux, chef? Vas-y, mou, quand même, hein. Attends-moi. Moi, tu sais bien que je suis lent. À mon âge. Oui, je suis là. Restez groupés. Ouh, joli. Des petites pilules de bonheur. Ah bah voilà, tiens, on va pouvoir bricoler un peu. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'on va se bricoler? Combien on en a? 220, mais c'est la fête. Est-ce que je peux toujours pas faire la portée de l'arc? Bah du coup, je vais peut-être les garder. Hein. Le recul de ça, ça m'intéresse pas. La capacité du chargeur, j'ai jamais été bloqué avec ça. La lunette, ça m'aurait intéressé, mais ça me sert à rien. Ça, je m'en sers pas plus que ça. Ça, je m'en sers... Mais je peux rien faire, si ce n'est la vitesse de rechargement. La vitesse de recharge... Il n'y a rien qui m'intéresse, c'est d'une tristesse absolue. Toi, je peux faire quelque chose? Ben non, j'allais dire la portée, ce serait cool, mais je ne peux pas. Je vais faire vitesse de rechargement, même si j'en ai rien à caguer. La vitesse de tir pour un arc, comme je l'ai dit une paire de fois, ça sert à rien. Le recul, pff, ça m'a jamais posé de problème. Allez, on va quand même agrandir la capacité des chargeurs de celui-là. Propagation. On va augmenter un peu la propagation de ça. Allez, on va garder tout le reste pour ça plus tard. Très bien l'affaire. On n'est pas très prudent, Ellie. Je sais même pas où tu es d'ailleurs. Ouais, t'es à côté, ok. Ça va, t'as rien trouvé? Petit café. Y a pas l'air d'y avoir grand monde chez vous, les copains. Salut Céline. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Tant qu'il n'y a pas trop de vilaines bébêtes, moi ça va. C'est
Ça va, ça va. On est arrivé de là, on est bien d'accord? Moi j'ai tourné. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu m'attends pour aller là, c'est ça? Il va falloir. Chut, les Lucioles. T'es pas taré, toi? C'est le remède de l'humanité. Tais-toi. On ferait mieux de rester discret tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et voilà. Il lit dans mes pensées ce cher Joël. Et quelque chose pour nous ici? Non. Bon. Allons voir dans cette pièce. Sacrifice. Un sur un. Oh là, c'est la fête. Ah, très bien. On est niveau 4 pour le bricolage. Alors voilà, ça c'est très chiant. Ah non, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. Ça c'est plein, ça veut dire qu'on... on va s'en faire un autre. Qu'est-ce qu'on pourrait se bricoler? Une bombe, on en a plus, on va en faire une. J'ai des munes à ne plus savoir qu'en faire. Donc on va pouvoir retourner. Ouais, je vais jamais le retrouver. Donc j'allais dire. Si, il est à l'entrée, l'établi. Et en particulier, ouais, on va y aller pour augmenter la portée de l'arc. Qu'est-ce que c'est par terre? Siri. Elle était là cette lumière tout à l'heure, je l'avais même pas vue. Ah bah oui, normal, on est passé à l'intérieur. Donc l'établi il est là, c'est ça. Dis donc Joël, tu cours un peu comme une feignasse. Hein. Allez. Donc maintenant on est niveau 4. Bon. Donc je vais pouvoir agrémer. Combien ça coûte? 30. Bah, on va se gêner. Tiens. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? La cadence, non. La lunette, ça m'intéresse. Donc encore plus puissant celui-là, et le reste on va le garder. Pour ça plus devrait nous aider. Tard. Ouais, ça devrait. Attends, moi c'était plus rapide de l'autre côté, tant pis. Oups, bah voilà, on a bien fait. On avait pas vu ça tout à l'heure. Et on est plein. Ok. Ellie! Où es-tu? Où est-ce qu'elle est passée? Par là. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? T'as oublié d'ouvrir le couvercle, je sais pas comment tu fais pour passer les mains dedans. Ah non, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien d'intéressant. Y a rien d'autre ici que tout un fatras médical. Je comprends pas. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Ou pas. Peut-être pas tous. T'éloigne pas. Ça sent mauvais. On va se faire croquer les fesses. Mais monte pas, mais... Oh. Y'a rien là-dedans? Non. Bon, en tout cas, a priori, soit ils se sont arrêtés. Attends, je vais voir en dessous, sous l'escalier. On peut passer là? Non. On peut descendre? Pourquoi on peut pas descendre? Oh, c'est foutu, mur invisible, quoi. Ça venait bien d'en haut, ce petit bruit qui fait peur. Je sais pas si je vais vous le faire en live Resident Evil 7 parce que je vais vous péter les tympans. Si je le fais pas en live, je pourrais corriger le son après. Il
Qu'est-ce qu'elle bricole? Elle faisait un truc bizarre, non? On dirait qu'elle sait où. C'est bon signe, non? Ou pas. Il faut qu'on trouve où ils sont allés. Peut-être qu'ils sont tous transformés, ma petite. Bonjour. Ils ont fait de la recherche, hein, en tout cas. Je sais pas s'ils ont trouvé quelque chose, mais ils ont cherché, c'est déjà bien. Pourquoi il y a autant de cailloux et de briques? De bouteilles et de briques. Rien de rien de rien. Ok. T'es toujours là? Ouais. Rien. Là. Ouais, c'est vraiment un autre rythme là depuis une bonne heure. C'est limite un peu répétitif. C'est le problème de beaucoup beaucoup de jeux quoi. C'est que bah, une fois que t'as fini la boucle de gameplay, tu fais toujours pareil quoi. Tu peux apporter différents événements sur un. Là, par contre, il y a de la tâche. Il y a de la tâche, ça ne dit rien de bon. Il y a de la vie. Hop. Fais-le en live. Mais c'est pour vous que je dis ça. Ouais, je le ferai en live, ça sera assez drôle. C'est dommage que je puisse pas le faire de nuit, par contre. Tard le soir, histoire d'être bien dedans. Parce que je voudrais pas réveiller les enfants. Ils comprendraient pas. Y'a rien de particulier par là. Bah non, surtout que c'est là où on est arrivé. J'ai fait la démo, enfin la démo, je l'ai fait une fois la démo de Resident Evil 7, évidemment j'ai fini par mourir. Mais déjà, voilà, hein. Par contre je le ferai sur PC. Évidemment. Je réserve aux consoles en fait ce qui est exclusif aux consoles. Après c'est toujours de meilleure qualité sur PC. Je l'ai faite cette pièce ou pas? Je suis paumé quoi. Enfin, je suis pas paumé, mais si, je l'ai fait. Vu que c'est toujours les mêmes. Ouais, j'ai dû y aller. Ouais, mais je crois que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure là-bas. Mais j'ai déjà augmenté deux fois, mais je crois que j'en ai plus assez là. Oh oh. Merde! Qu'est-ce que c'est? Sûrement des claqueurs, tu crois pas? Des claqueurs invisibles? Non, je crois pas. Ne se cache pas. Y'a quelqu'un? Sortez de là! Alors, moi je suis là, stressé, elle s'en va, tranquille. Je sais pas ce que j'ai, on va regarder tout de suite, tiens. 85, tu vois, j'ai pas grand chose, temps de confection, vitesse de soin, tout ça, ça m'intéresse pas. Maître du surin. Ah bah oui, bien sûr. Avec plaisir. Je l'avais pas vu celui-là tout à l'heure. Attends-moi, Ellie. Des radios. Rayon X. Ok. T'as pas bonne mine, hein? Très bien. Un par là. On est arrivé au bout, là, non? Non, il y a une porte ici. Y'a quelqu'un derrière? Non. Oh, c'est les singes. Ce sont les singes.
Au moins, c'est pas des claqueurs. Ouais. Mais bon. Ni des lucioles. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes. Hein? Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. Oh, j'en ai un peu marre de chercher, là. C'est bien foutu, je sais pas si vous l'entendez. Attendez. Quand il marche, on entend le pantalon qui frotte. Je sais pas si vous avez le son assez fort du jeu pour ça. J'ai vu un truc, tiens. Magnétophone du laboratoire. Et voilà, 4 palettes de matériel sont emballées et prêtes à partir. Maintenant, reste à savoir ce qu'on va faire de vous, les gars. Ils veulent qu'on euthanasie le groupe infecté. Mais vous savez quoi? Qu'ils aillent au diable. C'est vous qui avez fait le plus gros sacrifice dans tout ça. Si quelqu'un mérite de retrouver la liberté... Hey, tout doux! Ah! Merde! Il s'est fait mordre par un singe infecté. Ok, donc a priori, ça devait être... Heureusement qu'on n'a pas eu affaire aux singes. Il dit pas où ils sont allés. Je sais, cherchons encore. Je sais, cherchons encore, si tu sais pourquoi chercher. Chercher, c'est difficile à comprendre, voyez-vous. J'aurais pas dû l'utiliser, le surin automatique, me dit Ulki. Le surin, machin, j'aurais dû le garder pour augmenter la vie. Car là... Ah d'accord, là il utilise automatiquement le surin si il m'attrape. Bah oui, mais avant je pouvais pratiquement rien faire, en tout cas avec mes réflexes. Au moins là ça me sauvera un petit peu. La vie, ouais, mais je la gère très mal, la vie en combat. Donc je sais pas si ça me serait vraiment utile d'en avoir beaucoup plus. Enfin si, ça m'aurait sorti de situations un peu délicates forcément. Bah on le fera la prochaine fois. Il en fallait 100 je crois. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois que c'est des petites côtes de porc. C'est vrai qu'on gère pas vraiment la nourriture là-dedans. On peut pas tout faire. Hein. On peut pas, mais comment ça se fait? Eh oui. Allez! Pourquoi sous-titre désactivé? Il va y avoir des gros mots. C'est curieux ça, vous avez vu le truc sous-titre désactivé? C'est le dernier sur. Si vous cherchez les lucioles, ils sont tous partis. Non, sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de temps. Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres. Tournez à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez, en train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est? Ouais, je connais la ville. C'est loin? C'est pas tout près, enfin, à cheval. Quoi? Les lucioles? Baisse-toi! Oh! Aïe. Putain, mais c'est qui ces types? Peu importe, on sait où aller. Allez viens, on fiche le camp d'ici. Par où, par où? Par où? Je veux partir. Je peux m'enlever là normalement. Par où on se casse? Par là où on est arrivé? Y a pas une autre sortie plus rapide? Chut, chut, chut. T'es mort. Oui, je suis pas encore tout à fait mort, mais... Par contre, tu vas me donner ta hache fumier, va. Bah. Ok. Allez, viens. Désolé, je parle pas parce que j'écoute. Ça m'intrigue, ces fils et tout ça. Je trouve curieux qu'on ait rien à faire avec, pour l'instant.
C'était plus que deux, puisqu'il y en avait au moins un qui avait un fusil à lunettes. Là-bas. Oh, morte. C'est une mauvaise idée. On se casse. Viens là, viens là, viens là. Ah, je peux pas me mettre là. Venez. Je vous attends. Quatre. J'aimerais bien les cramer. Mais peut-être pas. Ou les cramer comme ça. Non, ça, ça a pas une assez grande portée, je pense. Hein. Ils font plus un bruit, les petits fumiers de lapin. Mais je te vois quand même. Un de moins. Les autres ont... Il y en a un là. Les autres n'ont pas bougé. J'aime bien ce flingue. Là-bas, je vois un. Vous le voyez là-bas? Monte ta tête. Je sais pas si ça vaut le coup de tirer là. Il y a un petit bout de tête qui dépasse, mais après, je sais pas comment la hitbox. On essaye. Il avait l'air d'être mort. Il en reste plus que deux. Cool. Fusil à pompe. Parfait. Je vais le recharger. Donc les deux cocos, ils sont à peu près là. Il y en a un qui bouge. Avec le bout. Mais évidemment, faut que j'arrive à me brêler les pattes avec ça, moi. Il n'y a pas une porte là-bas? Non. Et voilà, non? T'inquiète pas. On est à 2 contre 2 maintenant. On est à 2 contre 1. Où est-il? Il est dans la pièce. Alors, j'en ai bien tué que 3. Hein, et ils étaient bien 4. On est bien d'accord? Je voudrais... Parce que j'ai eu l'impression... à plusieurs reprises... que parfois... C'est quoi le truc rouge là-bas? Ça n'était pas tout à l'heure. Là-bas. Vu. Vu. Oh. Rip. On va pas prendre de risque, mais je pense qu'il n'y a plus personne. Ben alors? Hein? Connard. Voilà, exactement, t'as raison, Ellie. Enfin, c'est pas pour autant qu'on va faire les cacous. Et comme d'hab, il ne loot rien. Tu peux arrêter de me coller à la grolle, toi? Alors ça, c'est curieux. Il y en a au moins un. Oh, il y en a deux. Viens par là, viens par là, viens par là. Là, on est chaud bouillant. Oh, il y en a beaucoup trop. Viens par là. Ah, je vais cramer Ellie, mais il y en a un autre là. Vite. Viens. Tu me vois ou pas, Bécassine? J'en ai plus que 3 chez lui. Je vais... Non, mais tout. C'est pas ça ce que je veux faire. C'est pas ça non plus. Bon, c'est pas grave.
J'ai encore fait un bond d'un mètre en arrière. En fait, je pousse avec mes jambes dans ce genre de scène et du coup, je me retrouve à un mètre du... de ma place normale. Viens, on va passer par là. A priori, il n'y a plus personne. Il doit y en avoir d'autres, mais en tout cas, ceux-là... Pourquoi il y a ces trucs là? Serait-ce pour nous indiquer le passage? Ah, peut-être que maintenant on peut descendre par là, tiens. Je sais pas pourquoi, mais... En dessous là, rappelez-vous. Ouh, je vais un peu vite. Viens, 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 viens. Tiens! Ellie, fais pas l'imbécile! Oh merde! Là, faut pas se planter. Sinon, c'est Ellie qu'on bute. Question tir à la tête, il y a une nette amélioration. Je prends un peu plus mon temps, disons. Aïe, ça brûle. Je vais... Est-ce qu'on peut l'améliorer, la hache? Ah oui, tiens, je serais curieux de voir ce qu'on peut lui faire. On va la faire plus solide? Non, ouais, c'est ça. Donc quand je disais, si ça se trouve maintenant on peut descendre, je parlais d'ici là, sur ma gauche. Dans le trou. Ben non, on peut toujours pas. Où es-tu? Là, j'ai un peu trop pris mon temps, je voulais voir, mais c'était pas une bonne idée. Hein. Allez, on va aller se soigner un petit peu. Je vais mettre prendre le fusil à pompe pour ça, mais bon, c'est pas grave. Essayer de viser correctement. Mais ah, t'es pas bête toi. C'est rien, petite. T'inquiète. Personne, allons-y. Ouais, on va descendre avec le fil peut-être. Oui, je sais, j'y tiens absolument à ce qu'on fasse quelque chose avec ce câble là. Oh putain, c'est un connard. Peut-être tu vas prendre un coup de hache dans ta face, dans les dents éclatées. Ah. Ça c'est con. C'est très con. Voilà, j'espère que le jeu vous a plu. Normalement, il peut pas survivre un truc comme ça. Il a déjà eu du bol de pas voir la colonne péter. Où est-ce que c'est arrivé? Là, au mieux les intestins défoncés. Quoi? Ah bah merde alors. Ça c'est ballot. Il va falloir que tu me tires. Ok. T'es prêt? 1, 2, 3! Non, mais il va crever. Non, non, non. Il peut que crever. À moins d'un miracle. Mon
sur ce putain de cheval. Ou je te bute. Pour moi, c'est fini. Je vois personne. Ah, c'est bien foutu, on y voit flou. Ouais. Il a plus ses sens bioniques. Joël ? Oui, je vais très bien. C'est la forme. Ça va. Tu gères la fenêtre ? Ouais. Enfin, je crois. Ok. Bah oui, il va crever. Bouge ! Je vous vois. Merde. Allez. Avec un truc qui traverse ici, aucun organe vital, il a les intestins perforés, c'est sûr. Les intestins perforés, si tu répares pas vite, tu crèves en 10 minutes. Ils sont durs, enfoirés. T'as envie de jouer au plus malin ? Car, toi aussi t'as voulu jouer au plus malin. Amène-moi à l'hôpital plutôt. Je vais bien. Tu vas pas bien, Joël. Allez, viens. Dépêche-toi. Ah, t'es rigolote, ma mère. C'est pas toi qui a... qui a un boyau troué. Dépêche. Qu'est-ce qu'on a en bas à droite, là, par les intestins ? Continue. Tout ce qui est foie, tous les organes sont pas plus haut. Oh non. Pas bon, de toute façon. Non. Tu peux marcher ? Oui. Alors marche, merde ! Allez ! En tout cas, c'est bien vu, ça apporte une phase de gameplay intéressante. Cool. Encore un peu, allez ! Et après, on va faire quoi ? Ouais. Tu pourras pas Joël me soigner. Derrière toi. Quoi ? Là ! Allez ! Merde. La gamine est armée ! Merde ! Merde ! Oh mais non ! Joël ! Allez ! Lève-toi ! Oui, Ellie, elle sert un peu à quelque chose, là, qui, tu as raison. Allez, on y va. Je te jure, si jamais je te sors de là, tu me devras une chanson. Tu rêves. Alors, le coup de fil que j'attends vient d'arriver, mais tant pis, je coupe pas. Je vais ouvrir. Je rappellerai après, le gars. Allez. On peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Tant pis si je rate l'affaire du siècle. Et voilà. Oh, puis pique le cheval, ce fumier là. Ellie, Ellie, you're the queen of the gâchette. Monte sur ce cheval. C'est bon. Tu peux monter ? Non, mais non. Genre, là, tout je crois bien. Que c'est bon. Ou Joël pas. Joël. Merde. On a une fracture du crâne en plus. Lève-toi. Dis-moi quoi faire. Allez, tu dois te relever. Je rappelle le gars. Non, c'est affreux. Ouh, les petits lapins. Oh. Ouh, le petit lapin. Ça
ça durera pas très longtemps. Tu lui ferais peur. T'es passé où ? Les amis, je fais une pause et je vais couper le stream. On se retrouve dans 5 minutes. Au pire, restez sur le chat. Je coupe le stream, mais restez sur le chat, je vous préviens. Soit je reviens et on continue, soit je vous préviens sur le chat. Et on fait comme ça. Ok, ça marche ? À tout de suite. Je rappelle le gars là et on se retrouve tout de suite. Donc, je coupe le stream pour qu'après, ce ne soit pas le bordel sur les rediffs. À tout de suite. Je reste sur le chat au pire, je vous préviens.